Certains pourraient se demander où se situe la Guinée. Alors, la République de Guinée est une ancienne colonie française. Elle se situe en Afrique de l'Ouest et elle est bordée par l'océan Atlantique. Elle a une superficie de 245 857 km² et environ 12 millions d'habitants. Elle a pour capitale Conakry et comprend quatre régions naturelles dont la Basse Guinée, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière. Son drapeau, rouge, jaune et vert. Rouge qui signifie sang de nos martyrs. Jaune, la richesse du sol et du sous-sol. Vert, la végétation. Sa monnaie est le franc guinéen et sa devise est travail, justice, solidarité. La Guinée renoue avec la démocratie, avec à la clé l'élection du professeur Alpha Condé, premier président démocratiquement élu. La pénétration coloniale se heurta à plusieurs foyers de résistance à travers le pays. Samori, Alpha Yaya et Dina Salifou, symboles de la résistance africaine en Guinée. Samori Touré, pendant 17 années, il a incarné les vertus et les qualités patriotiques des peuples africains. Le héros du Soudan tint en échec les troupes françaises sur les deux rives du Niger, le long des frontières de la Sierra Leone, en Haute-Côte d'Ivoire et près du Libéria. Capturé à Guélémou le 29 septembre 1898, Samori fut transféré au Gabon dans l'île de Djolé, où il mourut le 2 juin 1900. Foulamori, la résidence préférée d'Alpha Yaya Diallo, roi du Labé. Tout évoque encore son nom. Sa fille Maïmouna habite la case de son vénéré père. La petite marmite qu'utilisait Alpha Molabé pour ses ablutions, sa tabala, ses étriers. Alpha Yaya, deux fois déporté, envoyé à la guillotine sèche, là-bas à Port-Étienne, où il mourut en 1912. Avec l'exil et la disparition de Samori et d'Alpha Yaya, la nuit envahit le continent africain. Lourde et longue nuit coloniale. L'Afrique est dominée. Voici venu le temps du mépris, le temps de l'humiliation. Travaux forcés, autant dire esclavage. Jadis, 200 millions d'Africains vendus sur les marchés d'esclaves. Mais aujourd'hui, l'Afrique est occupée. Elle est partagée entre les principales puissances européennes. Le capitalisme à son apogée a besoin de nouveaux marchés, de nouvelles sources de matières premières. Il s'est tourné vers l'Afrique qui l'a subjugué. L'homme d'Afrique est devenu un esclave, un être détesté, méprisé, discriminé, qui n'aurait, au dire des maîtres d'alors, ni culture ni civilisation. Bafoué dans sa dignité et dans sa personnalité, sans liberté et sans responsabilité, l'homme d'Afrique devient étranger dans son propre pays. Ghana, Mali, Gao, Trécourt, Massina. Souvenir du paradis perdu. Nostalgie des cités antiques qui peuplent la mémoire de toute une génération. La conscience de l'oppression rend l'oppression plus oppressive et finalement insupportable. Le 14 mai 1947, le Parti démocratique de Guinée est constitué. À sa tête, Sékou Touré parcourt le pays et mobilise les masses populaires dans la lutte anticolonialiste,
lutte contre la discrimination raciale, contre les bas salaires, contre les iniquités les plus criardes du système colonial. Meetings et grèves se succèdent. En 1957, 10 ans après la constitution du PDG, le premier gouvernement semi-autonomique de Guinée est formé. Une année plus tard, à la faveur de la grande guerre de libération menée par le peuple algérien, les contradictions internes du capitalisme français portèrent au pouvoir le général de Gaulle. 13 mai 1958, après les barricades d'Alger et le putsch des Français d'Algérie, de Gaulle vint et proposa au peuple d'Afrique un référendum solennel au cours duquel il se prononcerait sur leur avenir. Durant le périple qui le conduisit en Afrique équatoriale et dans certains états de l'Ouest africain, de Gaulle arriva à Conakry. Sili Sotaï, Sili Sotaï, l'éléphant est entré dans la ville. L'éléphant, symbole du Parti démocratique de Guinée. Courage, puissance et patience. Heure historique et solennelle. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Le 14 septembre 1958, le Parti démocratique de Guinée convoqua à Conakry une conférence des cadres destinée à relever le défi historique lancé à la scission et prise africain. Elle est cette décision conforme au sens de l'honneur et de la dignité. La télévision française, la nuit du 28 septembre 1958. Les résultats du référendum proposé par le général de Gaulle pour la 5e République et l'association des colonies avec la France sont égrenés avec délectation. La Guinée est connue à 46%, et alors là c'est le territoire dont les résultats ne sont pas conformes à son territoire, puisque c'est les noms qui l'emportent avec une majorité écrasante de 98%. Bon, je pense, je vous demanderai tout à l'heure d'ailleurs quelques mots au sujet du problème que pose maintenant la Guinée à la suite de ce vote. La Guinée va continuer à poser problème par son choix libre. L'attitude est jugée subversive. Dès les minutes qui suivent la fin du vote référendaire. D'ailleurs, les derniers mots prononcés par le représentant du ministère des colonies sur le plateau du direct sont sans abage. Je voudrais terminer par la Guinée. Ce matin, un communiqué a été remis à M. Ségou Toubé, le président du Conseil du gouvernement de Guinée. Communiqué émis à la suite du vote de la Guinée. Nous n'allons pas lire ce communiqué. Pourriez-vous nous en donner l'esprit rapidement? Je pense d'ailleurs qu'il est connu de quelques-uns de nos téléspectateurs déjà. La Guinée a voté non, donc elle a fait part d'une façon formelle de sa volonté de quitter la communauté qui lui était proposée par la Constitution. Et le représentant du haut-commissaire de la République, Anaïef, qui était
est envoyé spécial à cette occasion à Conakry, a remis au président du Conseil du gouvernement de Guinée un communiqué dans lequel il donne acte de la décision de la Guinée et met le point sur un certain nombre de conséquences de cette décision qui ressortissent toutes de l'époque. Et qui, je crois, entreront en vigueur très rapidement. Très rapidement, enfin, avec des mesures transitoires, évidemment, pour ne pas créer des perturbations immédiates qui troubleraient profondément le fonctionnement de l'administration de la Guinée. Enfin, l'acte de divorce a été remis ce matin. Le voici. Je vous remercie, M. Dazini. Merci. C'est avec le sourire, ce jour historique, jour de gloire pour notre destin commun, que nos dévanciers téméraires se sont acquittés de leur devoir dans les urnes. Ils nous ont forcés à être socialistes. Ils ont retiré tout leur matériel. Ils ont retiré tout. Eh bien, crever de faim, de soif, de machin, on ne peut pas s'habiller. Eh bien, c'est pour cela. Les gens ont tendu la main. Est-ce que l'esclave peut être idiot pour revenir encore? Non, 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 je ne veux pas, je veux rester esclave. Non, nous avons dit non, non et non. Aujourd'hui encore, ce nom résonne vigoureusement dans l'esprit et dans les cœurs des Guinéens. Aucune mémoire sélective, aucun écrit révisionniste ne jettera l'ombre sur ce choix conscient et responsable sur la voie de l'édification d'un pays de cocaïne rêvé. Des blessures regrettables sont enregistrées, mais elles se cicatrisent au nom du pardon collectif et au nom du sentiment fort de vivre ensemble projeté en 1958. D'hier à aujourd'hui et pour le futur, la Guinée fière travaille à conquérir et partager la prospérité à tous ses fils du 28 septembre 1958, le jour où le destin de l'Afrique, le destin du monde a basculé. La République de Guinée est un pays tropical dont les atouts naturels et culturels en font un paradis touristique. Elle laisse aux visiteurs une impression profonde, faite d'un mélange d'admiration et d'émerveillement. Sur près de 250 000 km², elle apparaît comme une synthèse de tout l'Ouest africain. Il reste encore pour témoigner quelques fragments d'un passé exaltant. Avec le premier comptoir français fondé en 1714, le littoral, alors appelé Côte des Rivières du Sud, fut le cadre d'un important trafic d'esclaves, d'or, d'ivoire et de denrées précieuses. Le visiteur méditera sur les décors du port négrier de Benti ou de Dominia, triste souvenir de l'abominable traite de l'ébène. Le fortin de Boké, inauguré sous le règne de Napoléon III, fut l'un des plus grands entrepôts d'esclaves de la sous-région. En 1889, le premier gouverneur colonial, le docteur E, sous la dépendance du gouverneur général de l'AOF, à Saint-Louis, au Sénégal. La pénétration coloniale se heurta à plusieurs foyers de résistance à travers le pays. Marque un jalon important de la conquête avec l'arrestation et la déportation au Gabon de l'empereur du Wassoulou, l'Armami Samori Touré. La Guinée comprise entre ses frontières actuelles devenait une entité administrative coloniale française. Après 60 années de colonisation, la Guinée proclame son indépendance le 2 octobre 1958. Avec le changement de régime politique en avril 1984, la libre entreprise devient une réalité. Aussi, le tourisme renaît et augure des perspectives optimistes et radieuses. La population de la Guinée, estimée à plus de 6 millions d'habitants, forme un ensemble cosmopolite de groupes ethniques dont la diversité dans l'unité est l'un des atouts majeurs de la richesse de son patrimoine culturel.
85% musulmane, 10% chrétienne, elle est occupée à près de 80% par le secteur rural. Depuis quelques années, le taux de mortalité a baissé avec les progrès dans les installations sanitaires et la couverture médicale de la population. Dans ce domaine, modernité et tradition se côtoient. La médecine traditionnelle encore pratiquée dans les villages obtient parfois des résultats appréciables. Toutes les institutions sont laïques et la langue officielle est le français. Des centres d'enseignement professionnel et deux grandes universités forment les cadres du pays. Plusieurs itinéraires s'offrent aux touristes et la Sogetrag, Société Générale des Transports de Guinée, lui propose plusieurs modes de transport pour le conduire du littoral aux profondeurs de la forêt dense à travers le contraste insaisissable de quatre régions naturelles distinctes. À chacune d'elles correspondent des types de reliefs, de climat, de faune, de flore, de fragments d'histoire, de rythme, de tradition populaire et de génie culturel propre à la République de Guinée. Maritime ou Basse-Guinée, à faible altitude, est une étroite bande côtière qui s'étend de la côte atlantique au premier contrefort du massif du Fouta Dialon. Tout le long de la côte, des eaux tièdes et transparentes baignent des kilomètres de plages au sable fin et argenté. Des îles aux paysages idylliques apportent au tableau féerique de cette région un charme particulier. De Kassa et de Roum, les plages ensoleillées et bordées de cocotiers offrent un cadre idéal de détente et de pratique des sports nautiques. La plage de Bel Air, à 225 km de Conakry, accessible par mer ou par route, est l'une des plus belles et des plus ensoleillées de la côte. Dans
un environnement agréable sur plus de 7 km de sable fin, la brise marine et la végétation luxuriante en font un site paradisiaque. La Basse-Guinée, avec son climat de mousson et sa forte pluviométrie de mai à octobre, est le domaine de la mangrove, des palmeraies, cocoteraies, des plantations d'arbres fruitiers, des plaines résicoles et de larges estuaires pittoresques. C'est aussi le domaine de la pêche, surtout artisanale, principal fournisseur du marché local en protéines d'origine animale et aussi activité d'appoint des populations côtières. Ce qui témoigne une zone économique exclusive exceptionnelle sur un littoral de 300 km. La Basse-Guinée, c'est aussi la symphonie et l'explosion des rythmes pendant les moments des fêtes Nalou, Soussou, Landuma ou Baga, chez lesquels le masque joue un rôle de premier plan dans les traditions. Sur les contreforts du massif fontanien, le mont Kakulima, 1007 mètres, veille sur Conakry et sur l'archipel de Los. L'une des crêtes du flanc du Kakulima accroche le regard sur la tête d'un énorme animal, baptisé l'éléphant qui veille, et vu sous un autre angle, et par tant de brouillard, le chien qui fume. Au bas de ce relief, un lac aménagé offre aux visiteurs toutes les commodités de camping. Entre la côte et les marches du Fouta à Kindia, le point culminant de cette région est le mont Gangan, 1115 mètres. C'est déjà le domaine des torrents et des cascades dévalant majestueusement des pentes. À 13 km de là, deux chutes tombantes de 80 mètres de haut forment une espèce de voile de fines gouttelettes d'une beauté exceptionnelle. Ce qui rappelle les atouts immaculés de la mariée, d'où son nom, le voile de la mariée. Tout y a été aménagé pour rendre le séjour agréable. La Haute-Guinée, au climat soudanien sec, est une région de forêts arbustives et de savanes herbeuses où domine par endroits le baobab, témoin séculaire de tant d'épopées. Le Niger et ses affluents aux merveilleuses légendes constituent le principal réseau hydrographique. C'est une région de plaines rizicoles et de pêche fluviale. La Haute-Guinée, c'est le lieu des sites tumultueux de l'histoire du Mandingue. Cancan, la cité commerciale précoloniale, les Tatas de Samori à Kerouané sont autant de témoignages à la fois glorieux et fascinants. À Denguiraï, la mosquée de la Jomar, construite en 1848, symbolise à la fois la ferveur et l'architecture islamique du 19e siècle en Afrique noire. À Sigiri, depuis les épopées des empires du Ghana, du Mali et du Soso, les populations s'adonnent à l'exploitation de l'or, ce qui ne manque pas d'attrait lorsque l'on compare la pioche archaïque aux machines de la société aurifère de Guinée. Baro et Koumana, la fête de la mare sacrée au rite populaire, offre à la veille de la période hivernale l'occasion de grandes manifestations rituelles traditionnelles.
Après les travaux champêtres, la recherche de l'or, la pêche fluviale ou la chasse en Haute-Guinée, ce sont les rythmes voluptés du Mamaya ou les rythmes endiablés du Dumba, la danse des hommes forts, le folklore mandingue et la beauté des traditions, le sacré et le profane se mélangent. Sur près de 13 000 km², la Guinée forestière se démarque nettement des trois autres régions par sa végétation luxuriante d'arbres géants et ses plus abondantes presque toute l'année. Les essences industrielles comprennent principalement l'otoumé et l'acajou qui surplombent des plantations de palmiers, caféiers, cacaoyers, bananiers, de théiers, de poivriers et de quinquina. Région par excellence de culture industrielle d'exportation, on y récolte près de 13 000 tonnes de café par an. C'est une région de montagne où les chaînes du mont Nimba constituent un atout singulier. Ce mont n'attire pas seulement par son riche minerai de fer, mais aussi par sa faune et sa flore d'une rareté exceptionnelle. Les crapauds vivifères et la vie en famille des chimpanzés dont les espèces sont uniques au monde impressionnent le chercheur et charment le touriste. Par endroits, des ponts en lianes tressés avec intelligence témoignent de l'ingéniosité des populations Kwele et Loma. Cette région, c'est encore le siège de la forêt sacrée où les rites, les coutumes, les mœurs, les danses et les musiques donnent un cachet d'originalité à la vie. Les régions naturelles de la Guinée sont l'écrin d'un trésor minier des plus enviables du continent. À côté de l'uranium, du cobalt et autres minerais non exploités, on évalue les réserves à plus de 13 millions de tonnes de fer, 2/3 des réserves mondiales de bauxite, 50 tonnes d'or et 30 millions de carats de diamants. Trois sociétés exploitent la bauxite pour 13 millions de tonnes par an. Le secteur minier représente 95% des exportations, dont 87% pour la bauxite et l'alumine, ce qui place la Guinée au second plan mondial des exportateurs d'or rouge après l'Australie. Le savoir-faire et la dextérité d'un peuple ingénieux. L'artisanat a pris la forme de véritables professions requérant l'agroalimentaire est concentrée à Conakry et ses alentours. Elle sert quasi exclusivement le marché intérieur. À côté, des petites et moyennes entreprises. La Guinée, c'est cette trilogie, musique, danse et chant, qui remonte aux siècles les plus reculés. La kora, le balafon, la guitare, le tam-tam, le violon, la flûte figurent parmi les instruments qui accompagnent les récits des louanges, les chants et la danse. Les mouvements de la danse traditionnelle sont le prolongement gracieux et l'élaboration méticuleuse des gestes de la vie de tous les jours. Tout événement important de la vie sociale est l'occasion de réunions et de festivités.
C'est une marque de solidarité et d'hospitalité d'un peuple généreux. Les professionnels du secteur de l'agriculture s'engagent à faire de la Guinée une puissance agricole en 2025. Pendant ce temps, le pays importe chaque année 500 000 tonnes de riz venant des pays asiatiques pour faire face à la consommation locale. Avec plus de 6 millions d'hectares de terres cultivables et des centaines de cours d'eau, le pays pourrait réussir son programme d'autosuffisance alimentaire avant 2025, à en croire le président Alpha Condé. La Guinée doit être une puissance agricole bien avant, parce que nous avons toutes les possibilités et nous savons comment. Depuis 2010, le gouvernement organise chaque année une campagne agricole sur tout le territoire national. Le programme apporte un appui massif aux paysans du pays pour réduire à hauteur de 100 000 tonnes de riz la quantité importée annuellement. En 2013, près de 2 millions de tonnes de riz ont été produites par les paysans. Le secteur a enregistré une baisse de la production nationale en 2014 à cause de l'épidémie d'Ebola dans le pays, pendant que la politique de sécurité alimentaire se poursuit. La Guinée peut relever ce défi d'être dans l'émergence en 2025. Vous avez entendu le chef de l'État aujourd'hui nous dire que 2025 c'était loin et il nous demandait de revoir nos copies et de penser à 2020. Avec cet engagement, je crois que nous avons toutes les chances d'atteindre cet objectif d'émergence. Je pense que bien organisé, bien structuré, on est bien capable de sortir la Guinée de la dépendance alimentaire. Cette année, le gouvernement a injecté 11 millions de dollars dans la campagne agricole pour accroître la production nationale du riz, denrée principalement consommée par les populations. L'objectif étant de faire du secteur agricole un levier de développement socio-économique dans un pays où 80%... Après Kalita, Swapiti et aujourd'hui Amaria, la Guinée veut relever le défi de l'électricité pour tous dans les prochaines années. Les travaux de construction du grand barrage hydroélectrique de Swapiti avancent vers l'objectif d'une production de 450 MW à partir de 2020. La Guinée a une capacité de 6000 MW de barrage hydraulique qui peut nous permettre non seulement de couvrir tous nos besoins, mais de servir nos pays voisins en énergie, qui est le point le plus important. Donc je suis très content qu'on ait pu faire Kalita et qu'aujourd'hui on ait pu voir comment Swapiti avance. Avec un coût estimé à 1,3 milliard de dollars, le barrage hydroélectrique de Swapiti devrait permettre de résorber une partie du déficit énergétique du pays et surtout garantir le fonctionnement à plein temps de celui de Kalita, lancé en septembre 2015. 6 milliards de mètres cubes d'eau vont être dans la zone là, par là. 6 milliards de mètres cubes d'eau. Ces 6 milliards de mètres cubes d'eau vont permettre de produire 450 MW et garantir le fonctionnement de Kalita. C'est ça l'élément important. D'une durée de réalisation de 58 mois, le barrage de Swapiti serait aujourd'hui à plus de 50% de taux de réalisation selon les experts. Il vient renforcer Kalita et sera suivi de Amaria, dont les travaux de construction ont été lancés ce vendredi 19 janvier 2018. Objectif, porter le taux d'accès à l'électricité à 65% à l'horizon 2020. La construction de logements sociaux à Conakry, jusque-là timide, s'inscrit du coup dans une nouvelle dynamique. Vue de l'extérieur, la cité Plaza Diamant captive le regard, plaît et charme les esprits. Mais faisons un tour à l'intérieur de ces somptueuses villas au style anglais. C'est le président de la République, professeur Alpha Condé, grâce à qui cette initiative est rendue possible, qui a donné l'exemple le jour de l'inauguration. Des villas R+1 et R+2, composées de 2, 3, 4 ou 5 chambres. Les lits sont faits de bois de valeur. Des lits dont certains sont habillés de peau de valeur. Des logements équipés et meublés au style de l'universel. Ils sont composés de salons de beauté, de salles de bain, salles à manger, de bibliothèques, de salons et salles de réunion d'affaires, de terrasses et vérandas, mais aussi de garages pour 2 véhicules et de piscines privées. Détail important, chaque villa a son annexe. Dotée
d'une bianderie, d'un magasin, d'un four et d'autres commodités. Le tout dans un espace fleuri, très romantique. À l'aube du troisième millénaire, la Guinée est un pays en marche. Cette démocratie dynamique a décidé de s'ouvrir au monde. La Guinée a amorcé le virage d'une économie diversifiée et d'une croissance inclusive et durable. Sa première richesse se trouve dans son sous-sol. Elle est appelée à devenir une puissance minière à l'échelle internationale. Nous disposons d'importantes réserves en bauxite. Dans un ou deux ans, nous devrions être le premier pays exportateur de bauxite. Nous avons bien sûr le fer, nous avons de l'or. La principale source de revenus dans le domaine minier, c'est de l'or. Grâce à une pluviométrie importante et des massifs d'où partent plus de 1000 cours d'eau, la Guinée est aussi surnommée le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. On a un potentiel hydroélectrique assez considérable. On a lancé un vaste programme de construction de barrages et à moyen terme, on a l'ambition d'exporter de l'électricité pour les pays de la sous-région. Avec la centrale de Kalleta, mise en service il y a 2 ans, et avec l'ouverture en 2020 de celle de Swapiti, d'une capacité 2 fois plus grande, la Guinée exportera de l'électricité vers les pays voisins et pourra aussi développer sa propre industrie. À moyen terme, ce que nous comptons faire, c'est exporter notre énergie. La Guinée dispose de 6000 MWh de potentiel hydroélectrique. Notre objectif principal est bien entendu de combler l'offre sur le plan national pour permettre à notre industrie minière de passer de la simple extraction à la transformation, ce qui est essentiel pour nous dans notre stratégie économique, mais également pour le secteur agricole, de passer de la production de matières premières à sa transformation, pour là aussi nous permettre de diversifier et ne pas rester concentré sur nos ressources minières. Avec plus de 6 millions d'hectares de terres arables, la Guinée dispose, il faut dire, d'un énorme potentiel agricole. Nous développons dorénavant une agriculture de développement, plutôt qu'une agriculture de subsistance. C'est ce qui explique le développement des cultures de rente comme le café, le cacao, bien sûr le palmier à huile. Enfin, la Guinée peut s'appuyer sur son capital humain et en particulier sur sa jeunesse. Bien sûr qu'il faut investir sur ces jeunes-là et il faut faire en sorte que chacun ait sa place, sa voix, que chacun puisse trouver du travail. Et c'est là, c'est le rôle du gouvernement, à travers par exemple le plan national de développement économique et social, de s'assurer que nous faisons le développement au profit de la population. Et la population, ce sont les jeunes. Lancé il y a 1 an, le PNDES veut promouvoir une croissance forte en s'appuyant sur un développement économique durable et inclusif sur le plan humain. C'est un plan très ambitieux qui devrait nous permettre, dans un horizon très bref, de pouvoir asseoir les bases d'une économie émergente. Nous avons redressé la situation de nos finances publiques. Nous avons aussi maintenu une politique monétaire prudente. Et nous avons également réussi, je dirais, à impulser une dynamique qui a fait que notre taux de croissance en 2016 s'est établi à 6,6%. De nombreuses mesures ont été prises pour favoriser le climat de l'investissement, comme la nouvelle loi cadre sur les partenariats publics-privés et l'ouverture d'un guichet unique. On a nettement vu une amélioration du climat des affaires en Guinée. Notamment avec l'établissement du guichet unique de l'APIP, l'Agence des promotions d'investissement privé, mais aussi une nette politique d'ouverture économique du pays à travers l'organisation de forums pour attirer les investisseurs dans le pays. Aujourd'hui, l'investissement est nécessaire en Guinée. La Guinée a déjà beaucoup d'encouragement de la part des instances mondiales. Donc aujourd'hui, c'est la Guinée qui encourage d'autres investisseurs privés à venir s'installer ici. Dans quelques années, la Guinée sera, je pense, un des plus importants potentiels de l'Afrique. Et moi, je ne peux que leur dire de venir parce qu'ils auraient raison de le faire. Aujourd'hui, la Guinée ouvre grand ses portes aux investisseurs, fort d'une économie saine, d'un climat des affaires propice et de nombreuses opportunités de développement. La Guinée est un pays où les investisseurs sont les bienvenus.
Non seulement toutes les portes de la Guinée sont ouvertes, mais la présidence elle-même a mis en place des points focaux. Et désormais, la Guinée a appelé à jouer son rôle au niveau de l'Afrique, à être le pays qui peut être l'élément moteur pour le développement de l'Afrique de l'Ouest.